Good morgen, allez, Iden, les titres aujourd'hui, les lunis, matin, moi, mina, ben, chana, piki, bat, esther, nissim, ben, aouda, et aussi, les refouat, ou, bat, kolodin, traina, et arabe, nathali, ben, silka, les aves, torcha, chol, israël, puisque c'était aussi les deux, une prochaine étude de deux mishnah, contacté à 5 minutes éternelles, nous étudions, ma sechet, et douyot, par exaïn, mishnachet, et id, menachem, ben, signaï, al moussaf, ayora, shel sholkez etim, shehutame, veshel tzabaim, shehutaor, shayomrim, chelouf, advarim. Une Mishnah qui nous projette dans Maseret Kelim, dans laquelle on traite des différents ustensiles qui véhiculent la Touma. On commence à traduire, on va expliquer ensuite. Eid Menachem Ben Signaï. Menachem Ben Signaï a témoigné. Apparemment, Menachem Ben Signaï n'était pas un Tana. Comme ça, j'ai déduit ça du Tiferet, je vous expliquerai pourquoi. Il a témoigné Menachem Ben Signaï. Al Moussaf Ayora Shel Sholke Zetim Shehutame. Sur l'ajout qu'on faisait, qu'on mettait sur les chaudrons, de ceux qui faisaient bouillir les olives, qu'il était impur. Cet ajout-là était impur. Tandis que Veshel Tzaba'im Shehutaor. Tandis que le même que les peintres font, eux, lorsqu'ils préparent, les peintres ou les teinturiers, peu importe, lorsqu'ils préparent leur teinture ou leur peinture, alors les mêmes ajouts qu'ils mettaient sur les chaudrons étaient purs. Shayomrim Chilouf Advarim, parce que jusqu'à qu'ils viennent Menachem Ben Signaï, on disait que c'était le contraire. On explique de quoi on parle. On parle d'abord d'un chaudron, que de techniques assez originales, que lorsqu'il y a un chaudron donc qui va contenir, donc qui contient, ça arrive des fois que ça déborde un petit peu. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils apprenaient du titre, du mortier, du ciment, et ils rajoutaient une petite bordure pour cette cuisson-là, puis après apparemment ils pouvaient l'enlever. Et la question maintenant, elle est de savoir, est-ce que lorsqu'ils ajoutent cet ajout autour des bords du chaudron, est-ce que ça devient une partie intégrante du chaudron ou non? C'est-à-dire, le chaudron lui-même, il est en fer, il est en métal, donc il véhicule la touma de manière très forte. L'ajout qu'on fait, il est en titre, normalement, ça ne véhicule pas de touma, parce que si c'est du mortier, si c'est de la terre, ça ne véhicule pas, sauf si c'est de l'argile, ça peut quand même véhiculer, ça dépend des cas de figure. Mais en tout cas, là, concrètement, on parle de quelque chose qui n'est pas censé véhiculer. Toutefois, s'il va être considéré comme partie intégrante, même provisoire du chaudron, alors dans ce cas-là, il va lui aussi faire partir du chaudron lui-même. Il y a une dracha qui enseigne, c'est rapporté dans le Bartora. Boutmeim, Ihiu, Lachem, ils sont importés pour vous, et une insistance sur le pour vous pour nous apprendre Kol Shebetzor Kechem. Tout ajout que tu vas mettre sur un ustensile en fer, que tu vas t'en servir, qui te sert, alors il devient partie intégrante et il véhicule aussi l'impureté. La question elle est de savoir pourquoi est-ce qu'on rajoute cet ajout-là? D'accord? On a bien compris le cas. Il y a un chaudron avec une petite bordure en plus. Pourquoi est-ce qu'on l'ajoute? Il est venu Menachem Ben Signaï et il a dit non. Sache que lorsque tu veux faire bouillir des olives et que tu l'ajoutes, eh bien tu l'ajoutes pour pouvoir te permettre de mettre plus d'olives de manière à ce que si ça va déborder, ça va rentrer tout de suite à l'intérieur, donc tu ne vas pas perdre ton liquide. Apparemment, c'est lié à l'extraction de l'huile, mais je ne sais pas, à chaud. Je ne sais pas tellement comment ça se passe, moi je connais la pression à froid, mais en tout cas, apparemment, ça peut aussi se faire à chaud. En tout cas, lorsque tu mets tes olives dedans, si tu as pas le besoin de rajouter cette bordure au-dessus, c'est que tu as besoin de mettre plus d'olives que la contenance de ton ustensile. Dans ce cas-là, tu es intéressé, ça va être méchamèche réellement l'ustensile. Ça va vraiment devenir une partie intégrante de l'ustensile. Donc c'est pour ça que ça va véhiculer la touma, l'impureté. Tandis que les tzaba'im, chez les peintres, eux, lorsqu'ils vont mettre leurs produits pour peindre, la seule raison pour laquelle ils mettent cette bordure, c'est pour ne pas que ça déborde. Soit, il y en a qui précisent même plus, ça va pas dans le Bartenois, il me semble, que les fiches Yerim, chez Maïpasset, Tivam, eux, les teinturiers, ils font très attention à ce que la teinture, elle garde exactement la teinte qu'ils veulent obtenir. Or, tu vas commencer à mettre maintenant une bordure en ciment, vous imaginez bien que là, ça ne va pas exactement avoir la même couleur. Donc les tzabaïm, les peintres ou les teinturiers ne sont pas intéressés à vraiment utiliser ça. Alors pourquoi ils rajoutent cet ajout? Pour ne pas que ça déborde, parce que quand ça déborde, ça fout ça fait la zut sur le plan de travail, de partout, je ne sais pas. Donc ne sait pas qu'ils rajoutent cette bordure pour ne pas que ça déborde. Mais en réalité, ils ne s'appuient pas dessus pour pouvoir ajouter plus de produits, donc ça ne devient pas une partie intégrante. Avant que Menachem Ben Signaï vienne et témoigne, on pensait le contraire. On pensait que chez les tzabaïm, chez les teinturiers, où la teinture coûte beaucoup plus cher, alors ils rajoutent ça pour pouvoir récupérer la sauce, pour pouvoir récupérer l'eau teinte. Tandis que ceux qui font bouillir les olives, eux, ils le faisaient plus pour ne pas que ça déborde et que ça salisse tout.
Mais alors il est venu Menachem Ben Sinai, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que Menachem Ben Sinai, apparemment c'était pas un Tana, hein, étant donné que j'ai vu dans le Tiferet d'Israël, qui a apporté qu'en fait, Menachem Shaya Tsovea Ayabaki Bainyan, lui c'était un grand peintre, un grand teinturier, peut-être qu'il était Tana et qu'il était aussi teinturier à l'époque, c'était fréquent, mais dans tous les Tana, il travaillait aussi, c'était en réalité c'était un Tana, je sais pas. En tout cas, lui il est venu, il a témoigné que c'était le contraire, c'était pas comme ce que tout le monde pense, au contraire. Pour les olives, on le fait pour récupérer, donc ça véhicule l'impureté. Et pour la teinture, ça ne véhicule pas l'impureté, étant donné que c'est uniquement pour ne pas que ça déborde. Mais on n'a pas du tout envie, a priori, que ça déborde et que ça atteigne cette hauteur-là du chaudron. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la serre à côté, c'est là.